Bonjour ma chérie, tu es actuellement au Maroc, tu veux venir en Europe, mais tu ne veux pas passer par la mer. Pour venir en Europe, on ne passe pas par la mer, on ne passe pas par le désert, on prend un visa et on prend l'avion. C'est comme ça qu'on vit en Europe. Ne prenez pas les exemples des autres, surtout les mauvais exemples. Chacun de nous a sa chance, ma soeur. Retourne dans ton pays d'origine. Va te trouver un boulot, fais tes économies. J'ai fait des vidéos où je vous dis comment on fait pour avoir le visa. Si tu rates le visa la première fois, tu vas demander la deuxième fois, jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce. Dieu ne laisse pas mourir ses enfants. Arrêtez de prendre les risques pour venir en Europe. Tu comprends, non? Tout le monde a le droit de venir. Même si qu'on nous chasse là, on va toujours venir. Mais passer par la voie légale. Là où tu es là, ce n'est pas ton pays. Retourne dans ton pays et demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'ouvrir la porte pour pouvoir rentrer en Europe dignement. En tout cas, je t'envoie les ondes positives et que Dieu t'aide à réaliser ton rêve. Tu comprends, non? Nous sommes en fin d'année. Faut bien suivre mes conseils. Faut bien suivre mes instructions. Ouvre ton cœur. Ne fais pas du mal aux gens. Va faire les dons. Va donner aux personnes qui sont dans le besoin. Mais tout ça là, il faut faire ça dans ton pays d'origine. Le Dieu qu'on prie là, il met toujours des anges sur notre chemin quand l'heure de gloire arrive. Je te souhaite d'être heureuse, mais suis mes conseils. Quitte du Maroc, va dans ton pays. D'accord?